Dans le cadre de la réunion consultative avec les survivantes des mutilations génitales féminines MGF, une équipe du réseau des femmes leaders pour le développement s'est rendue à Kandi ce lundi 25 avril 2022 pour rencontrer les victimes survivantes des MGF. Cette rencontre du réseau des femmes leaders pour le développement avec les survivantes a débuté d'abord par une visite du chef d'arrondissement 1 de Kandi, Aboubakar Issabirou, et du chef du terroir pour discuter et faire des plaidoyers pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. S'entretenir pour ça. Maintenant, l'ONG les a dit que de laisser tout ça, ils ont expliqué avec la gravité de ce qui se passe. Maintenant, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont compris de nous. Arriver dans leur quartier et à leurs soins d'expliquer à leurs femmes ce qui se passe. Alors, c'est par rapport à ça qu'ils ont commencé à faire la sensibilisation. Et du coup, après la formation ou après la sensibilisation, ils ont dit arrêter tout ça. Que ici, de nos jours, que ce n'est plus dedans. Mais là, quand vous êtes venus, c'est pour encore puiser, appuyer sur ce qu'ils avaient déjà compris. Donc, en résumé, c'est ce que le Premier ministre a dit. On leur dit merci. Merci pour l'hospitalité. Et étant donné que nous sommes venus sur la terre, nous ne pouvons pas ne pas venir vers eux. Parce qu'on dit, quand vous venez quelque part, il faut reconnaître les autorités. Donc, c'est la raison aussi de notre présence sur la terre. À l'issue de cette étape, une visite a été effectuée également chez le maire de Kandi Alazi Oseini Saka Zinatou et chez le roi Saka Zibiri III pour enfin finir la descente au centre de promotion sociale de Kandi. Une étape au cours de laquelle le secrétaire du centre social de promotion de Kandi a mis l'accent sur la nouvelle méthode utilisée pour la mutilation génitale féminine. Nous sommes venus pour une sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. Donc nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice sur ce qui se fait déjà sur le terrain pour sensibiliser davantage et faire des plaidoyers aussi. Nous reconnaissons tous que les effets néfastes de ces mutilations, de ces pratiques, ne sont pas du tout favorables à la femme et handicapent le développement en général du Bénin. Parce que ces forces vives de la nation n'ont pas eu l'opportunité d'exprimer ce qu'elles pouvaient faire réellement pour participer au développement de la nation. De ce fait, d'autres en sont mortes, d'autres survivent bien sûr, mais ont des effets psychologiques sur leur quotidien. Donc nous sommes venus afin d'avoir toujours votre appui dans ce sens, afin que cette pratique soit totalement bannie et qu'on n'entende plus parler dans la commune de Kandi et dans les communes environnantes. La femme d'abord est quelque chose qui est précieux. Hein? Qu'allons-nous faire? On est obligé de suivre ce que vous voulez faire, vous voulez dire, vous voulez nous donner pour dire comme conseil. Ce n'est pas venu du haut. Ce qui est sûr, vous vous êtes mis assise, vous avez réfléchi avant de faire sortir. Donc, surtout ce qui m'a impressionné. Et parmi, je peux dire qu'il y a 6 femmes qui ont fait le déplacement. Et parmi ces 6 femmes-là, il y a un seul homme donc, qui les accompagne. Donc vraiment, je suis très, très comblée
ce matin. Raison pour laquelle je voulais même faire un déplacement. Elle dit quand même il faut apporter quand même mon édifice pour pouvoir soutenir ces femmes-là. Nous savons que Candy fait beaucoup déjà pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Donc nous sommes là pour pouvoir sensibiliser les femmes et apporter notre pierre à l'édifice, tout ce qui se fait déjà. Mais nous ne pouvons pas venir à Candy sans prendre part chez vous parce que vous êtes une autorité, l'autorité de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin pour d'abord vous transmettre les salutations. Ceux de Porte Nouveau ici et pour vous apporter une information de ce que nous voulons faire demain. Moi je suis heureux que votre réseau puisse prendre à bras le corps ce phénomène qui, comme vous l'avez dit, n'est pas encore totalement banni. Ça reste. De par nos enquêtes, on pique les enfants et on les amène au Nigeria. Et quand on finit de faire, on les ramène. Il y en a qui profitent des mariages ou bien des baptêmes où il y a du bruit, il y a les festivités et ils profitent, ils mettent les enfants en cachette quelque part dans la maison où on ne va pas entendre les cris de l'enfant parce qu'on est en train de jouer à de la musique, on est en train de faire et ils font ça. Alors, ce qu'ils ont, ils ont mis maintenant là, ce n'est plus la mutilation. On n'utilise plus le couteau, mais on fait la mutilation à la fille. Et comment? Ils ont commencé par prendre maintenant de la potasse et certaines substances que eux-mêmes, ils maîtrisent bien là. Et on fait la potion, on fait le mélange. Et c'est ça qu'on met maintenant au niveau du clitoris. Et qu'est-ce que ça fait? Ça anesthésie. Vous comprenez? Au lieu d'ôter le clitoris, maintenant, on anesthésie ça. C'est-à-dire, on fait endormir ou bien on fait mourir les nerfs, si je peux m'exprimer comme ça pour que vous puissiez comprendre quoi. On met la potion, on met ça au niveau du clitoris et on fait une couche à l'enfant. Et c'est maintenu là, pendant des choses là, et on la prépare pour lui dire, ça là que nous voulons te faire, c'est ça va te faire du bien. Si tu enlèves ça, tu peux avoir telle conséquence ou bien faut pas enlever ça. Et c'est à cause de ça que je dis que votre activité que vous êtes en train de mener actuellement est la bienvenue. Pour le compte de la deuxième journée, l'équipe du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a rencontré 40 femmes survivantes des mutilations génitales féminines dans le Nord. Plusieurs personnes ayant subi les mutilations génitales féminines avec pour conséquence des douleurs et des blessures. Chères femmes, ils sont venus pour échanger avec vous sur la violence que vous avez subie parce que les mutilations génitales féminines font partie des violences basées sur le genre qui sont vraiment difficiles, qui laissent des séquelles vraiment difficiles à gérer par celles qui en sont victimes. Donc nous leur disons un sincère merci pour ce déplacement qu'ils ont effectué et pour cet échange qu'ils veulent avoir avec vous. Sur ces mots, je déclare ouvert la séance. Je voudrais vous inviter à discuter à cœur ouvert avec nous, à ne rien craindre. Tout ce qui va être dit sera entre nous ici. C'est seulement ces informations qui sont utiles pour les autres qu'on va pouvoir partager avec les autres, puisque à l'issue de cette rencontre, nous voulons pouvoir écrire des histoires issues de cette discussion pour continuer la sensibilisation, puisque nous sommes tous d'accord que ce n'est pas une bonne pratique. Donc tant qu'on ne va pas continuer à sensibiliser, à parler de ça au quotidien, nous sommes conscients que jusqu'à aujourd'hui, d'autres personnes continuent avec cette pratique
qui nuit à la vie de la femme et par échanger au développement de notre pays. Quelques victimes survivantes livrent ici leur témoignage. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 10 ans. Maintenant, je suis dans ma 31e année et ça n'a pas du tout été facile. Lors des rapports sexuels, tu ne ressens rien du tout, ni toi ni ton mari. Ce qui veut dire qu'ils ont tué cette partie d'excitation en la femme. Et tant que la femme n'est pas excitée, ton mari ne peut rien ressentir. Du coup, c'est horrible. Pire encore au niveau de l'accouchement. Parce que au niveau de l'accouchement, ça peut conduire à la mort. Déjà que l'accouchement n'est pas chose facile. Et on te coupe encore cette partie qui permet d'élargir le col pour que l'enfant puisse sortir facilement. On te coupe, on te rompt cette partie-là. Et tu ne peux pas t'en sortir si c'est que tu n'es pas vraiment résistant. Les femmes excisées ont du mal à vivre dans leur foyer parce que l'excision les rend malades, les traumatise. Ils n'ont même pas envie de rester avec les hommes. Ils ont du mal à accoucher. Et s'ils accouchent, ils font le saignement. Si on les fait l'excision aussi, ils font le saignement. Le saignement peut les amener juste à ce que la personne, on l'amène à l'hôpital. Et après avoir, si l'hôpital n'a pas pu suggérer, ils vont à la mort. Et si la personne s'est retrouvée après l'accouchement, ça lui serait difficile. Je voudrais que chaque parent écoute ma voix et arrête. Si c'est que ça continue, qu'ils arrêtent. Parce que ils veulent détruire la vie de leurs filles, de leurs enfants.